Salut, c'est Cascol, on se retrouve une nouvelle fois sur la Recalbox pour faire un petit peu tour des jeux Neo Geo. Et j'avais dit la dernière fois qu'on ne verrait probablement pas Art of Fighting, mais j'ai changé d'avis, voilà, j'ai le droit. Je trouve qu'Art of Fighting n'est pas reconnu à sa juste valeur et j'avais envie de tester Art of Fighting 2. Voilà, donc c'est ce que je vais faire, je lance Art of Fighting 2. Je pense que c'est une bonne habitude de laisser cette petite musique d'intro au départ, là. Voilà, donc on est sur Art of Fighting 2, un jeu que j'ai eu en original, aussi bien en AES qu'en MVS. J'ai eu ce jeu deux fois. Donc ça me fait clairement plaisir d'y rejouer. C'est pour ça que j'ai voulu le relancer, alors qu'il est quand même, connu, hein, je pense. Je vais peut-être zapper un peu l'intro. Même si elle est pas mal du tout. Alors le jeu n'est pas facile du tout, un petit peu comme dans Aggressor of Dark Combat, si on appuie brièvement sur une touche, ça fait un petit coup, si on appuie plus longtemps, ça fait un plus gros coup. Par contre ici on a le bouton C qui va nous servir à faire des attaques spéciales. Pour ce qui est du bouton D, je ne me rappelle plus. Pourtant, c'est pas grave, on verra bien. Je vais jouer Robert, voilà, j'aime bien Robert. Et je vais jouer directement contre Ryo, puisque, voilà, je suis un fou. Je préfère éliminer Ryo dès le début, voilà. Ce jeu était surtout réputé pour la taille de ses sprites et ses zooms. Et puis graphiquement, bon, pour l'époque, il était absolument magnifique. Déjà, je me trompe de touche, ok. Voilà, donc on sait quand même à facilement faire des petits enchaînements comme ça. Faut savoir qu'Art of Fighting 2, c'était quand même le premier jeu à disposer de... où les combattants disposaient d'une barre de furie. D'ailleurs, il faut que je la recharge. Voilà, ça sert à tout, je sais. Ça me revenait pas. Allez, viens, voilà. Mais j'adore ce genre de coup, ça me rappelle qu'elle est survivante, mais avec des coups. Ouais, je suis sûr. Là, je ne mets plus assez de... Donc c'est pas une barre de furie, hein. C'est vraiment une barre de puissance qui nous sert à faire nos... qui nous sert à faire nos coups de base, quoi, nos coups spéciaux. Du coup, on est quand même assez emmerdé, parce que si on taunte l'adversaire, il perd sa barre de puissance. Là, il m'a taunté encore un peu, je pouvais plus faire de... Hop là, ma barre de puissance a diminué alors que je n'ai fait aucun coup, c'est parce qu'il m'a fait un taunt. Faut savoir que si j'achève mon adversaire avec ce coup là ou un autre coup spécial, ses vêtements vont se déchirer, ça c'était vachement sympa aussi. Il m'énerve avec ce Hadouken. Moi aussi je peux en faire. Allez zut, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, t'es content? Bon, c'était pas un coup spécial, on remarqua quand même au passage hein, les visages qui stupéfient, j'aimais bien ça aussi. À ce stade-là de la partie, je ne sais pas encore faire de... Je vais appeler ça un ultra, ce coup qu'on peut faire quand on est presque mort, parce que ça demande plus de barres de puissance, il va falloir réussir les entraînements spéciaux. Les stages bonus sont des entraînements qui vont nous servir à apprendre de nouveaux coups. Comme par exemple la grosse boule de feu qu'à un moment donné Ryo a fait, je ne sais pas la faire non plus, il faut que j'apprenne. Si j'arrive à battre Yuri ici, peut-être qu'on verra juste après. Ce qui n'est pas sûr du tout, hein. Il y a quand même longtemps que j'ai pas joué. Je suis mal barré. Bon, je peux quand même essayer, hein, non, ça ne passera pas. Bon, premier round, ça s'est bien passé. Les musiques étaient quand même vachement sympas aussi. Ça va.
un petit peu dans l'eau. Allez, viens. Là, par exemple, je suis emmerdé, je ne sais plus faire de coups spéciaux, je n'ai plus assez de puissance. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle me laisse respirer un petit peu, que j'ai le temps de recharger. Donc là, je me suis fait avoir. J'en ai un peu trop fait. Zut. Bon, là, elle m'a retiré la moitié de la barre de vie en un seul coup. Donc ça, c'est pas cool. Ça se passe mal. J'essaye, hein, j'essaye. Eh ben non. Bon ben, c'est pas grave, c'est pas grave. On va s'arrêter là quand même. C'était Art of Fighting 2, un jeu qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Il est vraiment pas mal. Petit conseil ici qu'il nous donne en moment du Game Over pour faire la Dokken. Voilà, ce qu'il dit pas, c'est que ça bouffe quand même pas mal de puissance. Enfin voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt sur un prochain jeu. Salut!